Avec l'environnement, la rubrique environnementale. Raoul Steve, bonjour. Bonjour, René Soblo. Nous sommes dans Pieds sur Terre. Hein, et puis ce matin, on parle du nouveau rapport national 2023 sur le climat, le développement publié par la Banque mondiale. D'abord, que dit ce rapport? Et selon ce rapport publié par la Banque mondiale, le Bénin affiche des taux d'émissions de gaz à effet de serre parmi les plus bas au monde, mais reste cependant l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. 152e sur 181 pays au classement de la vulnérabilité extrême au climat. Les inondations sont de plus en plus sévères et posent des défis importants face à l'insuffisance de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et des systèmes de collecte des déchets. La déforestation croissante, les 125 km du littoral du pays souffrent d'une érosion côtière sévère qui devrait empirer si rien n'est fait. Selon Nathalie Piccarelli, auteure principale du rapport, je cite, « L'enjeu soulevé par le rapport est de trouver comment concilier développement et défis liés au changement climatique afin de protéger les pauvres et les plus vulnérables. » Fin de citation. Et l'économiste senior de la Banque mondiale ajoute que jusqu'à 1 million de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2050 si aucune mesure d'adaptation n'est prise. Le rapport précise également que le Bénin a accompli d'importants progrès dans certaines zones de son littoral pour s'attaquer à l'érosion côtière. On a vu les actions menées ces dernières années par le gouvernement, mais il reste encore du travail à accomplir car le pays enregistre l'un des taux d'érosion côtière les plus élevés du golfe de Guinée. Mohamed Nasser Bako, agronome, sociologue des ressources naturelles et directeur du laboratoire Société Environnement de l'Université de Parakou, se dit satisfait de ce rapport publié par la Banque mondiale, un rapport qui, à ses yeux, met en lumière les implications du changement climatique sur le développement. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos. Globalement, je dirais que je suis satisfait de ce rapport parce que, vous savez, pour nous qui sommes spécialistes des questions d'environnement, l'une des difficultés que nous rencontrons, c'est comment pouvoir quantifier, estimer les effets de l'environnement, notamment du changement climatique, sur le bien-être, sur l'économie, sur le développement d'une nation. Et le rapport sur le climat au niveau du Bénin pour l'année 2023 a cette particularité de ressortir les implications économiques du changement climatique sur le développement du Bénin, sur le PIB du Bénin. Et ça, sur ce plan-là, je dirais que je suis totalement satisfait. Je suis également totalement satisfait parce que le rapport a abordé différents aspects et a fait des propositions pour que désormais on puisse avoir un développement durable, tel qu'on le dit souvent. Le rapport se base surtout sur la nature de notre production. Vous savez, je vous ai dit que le rapport a fait le lien sur les impacts du changement climatique sur l'économie. Or, l'économie béninoise est fortement basée sur l'agriculture. Et donc, le modèle agricole que nous avons, n'est-ce pas, est un modèle qu'il faut repenser, qu'il faut revoir. Et le rapport a suffisamment mis l'accent là-dessus. Voilà. Raoul Steve, selon ce rapport, tout le monde est concerné par les changements climatiques. Oui, tout le monde est concerné par les changements climatiques. Habituellement, nous parlons de l'agriculture, mais le rapport est allé plus loin pour montrer que ce n'est pas seulement les acteurs qui sont dans l'agriculture, dans ce secteur, mais les acteurs qui sont dans tous les secteurs de l'économie béninoise qui sont touchés par cette question du changement climatique. Et cela va impacter notre développement économique. Et le Bénin a désormais cette obligation de mettre l'accent sur l'adaptation afin que cela n'impacte pas notre développement et ne conduise une bonne frange de notre population dans la pauvreté d'ici 2050 si rien n'est fait, et prévient déjà ce rapport. C'est pourquoi cet activiste environnemental insiste sur le changement de modèle économique, le financement écologique, le principe pollueur-payeur et surtout l'adaptation. Écoutons Mohamed Nasser Bako, sociologue des ressources naturelles. Il faut repenser les modèles économiques de production, les modèles économiques de production. Il faut pouvoir aider les acteurs à être plus résilients. Donc, la résilience, c'est vraiment à travers des renforcements de capacités, à travers la formation qu'il faut donner aux acteurs. Le secteur aussi bien privé et public qui finance le développement doit désormais intégrer cette notion de durabilité. Donc, les financements verts, les financements écologiques, donc
les financements résilients, il faut de plus en plus penser à cela. Si je vais dans une banque et que je demande un prêt pour réaliser une activité entrepreneuriale, il faudra que dans les mécanismes d'accord de financement, que la question du changement climatique soit intégrée, et ce n'est qu'à travers ces moyens-là que progressivement on pourra aller vers des solutions qui puissent nous permettre de mieux nous adapter à ce climat qui est en train de changer. La question du principe pollueur-payeur, prenons le cas de la ville de Parakou, de toutes nos villes, chacun de nous se lève, il fait un forage, il commence à utiliser l'eau sans payer, alors qu'il crée des dommages au climat. Et désormais, le rapport dit qu'il faut pouvoir appliquer ces principes-là de pollueur-payeur ou d'utilisateur-payeur. Voilà, au Bénin, donc l'économie est basée, vous le savez, sur la fiscalité. Nous devons opérer des changements qui puissent désormais nous amener à prendre en compte la question du changement climatique. En clair, face à deux modèles de production, par exemple, si l'un est plus respectueux de l'environnement, il émet moins de gaz à effet de serre, il faudra qu'au niveau de la fiscalité, qu'on en tienne compte et que la production agricole qui propose un modèle plus respectueux de l'environnement soit exonérée, par exemple, d'un certain nombre de taxes. C'est un mécanisme de financement indirect et qui doit être mis en pratique pour que réellement nous puissions aller vers le développement durable que nous souhaitons tous de nos voeux. Et merci à vous, Raoul Thibault. C'était la rubrique consacrée à l'environnement.